Le prochain album de Lana Del Rey sortira le 5 septembre. Et si sa dernière publication Instagram est une indication forte, elle ne manque pas d'inspiration. Jeudi, la chanteuse pop alternative a partagé un long post, dans lequel elle a affronté des ennemis, des critiques, des hypocrites et des misogynes. Et a pris une pause pour partager les détails de son prochain album, le suivi de Norman F.I.N.G. Rockwell. Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram, la chanteuse de « Summertime Sadness » a écrit « Maintenant que Dora Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani et Nicki Minaj et Beyoncé ont eu le numéro 1 avec des chansons sur le fait d'être sexy, de ne pas porter de vêtements, F.I.N.G., tricherie, etc. Puis-je s'il vous plaît revenir à chanter d'être incarné ?» De se sentir belle en étant amoureux même si la relation n'est pas parfaite, ou de danser pour de l'argent, ou tout ce que je veux, sans être crucifié ou dire que je glorifie les abus. Del Rey prend position sur les « fameux écrivains et chanteurs alternatifs » qui accusent son abus glamour, alors qu'en réalité je suis juste une personne glamour chantant sur les réalités de ce que nous voyons tous aujourd'hui sont des relations abusives très répandues partout dans le monde, poursuit-elle. Elle poursuit, avec tous les sujets que les femmes sont enfin autorisées à explorer, je veux juste dire au cours des 10 dernières années, je trouve pathétique que mon exploration lyrique mineure détaillante mes rôles parfois soumis ou passifs dans mes relations ait souvent fait dire aux gens que je ont fait reculer les femmes de plusieurs centaines d'années. Il n'y a clairement pas de pénurie de munitions pour ses prochains projets, qu'elle mentionne dans la dernière strophe. Quoi qu'il en soit, écrit-elle, rien de tout cela n'a grand-chose à voir, mais je détaillerai certains de mes sentiments dans mes deux prochains livres de poésie, principalement le deuxième, avec Simon et Schuster. Oui, je fais toujours des réparations personnelles avec le produit du livre à mon choix de fondations amérindiennes dont je suis très heureux. Et je suis sûr qu'il y aura des nuances de ce que j'ai réfléchi dans mon nouvel album, qui est prévu pour le 5 septembre. Norman F.I.N.G. Rockwell, son sixième album studio, a culminé au N°3 sur le Billboard 200 en 2019. Jack Antonoff a produit et coécrit l'album et, à en juger par un post de suivi sur Instagram, il fait de la musique à distance avec Del Rey. Phần này đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào, tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.